Hey yo tout le monde, c'est Maestro, on se retrouve pour un nouvel épisode de la Carrière Manager avec le Bayern de Munich, les mecs. Donc, on va finir le mercato ensemble. Merci à tous ceux qui ont commenté, merci à tous ceux qui ont liké, merci à tous ceux qui s'abonnent aussi. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, les mecs, ça fait super plaisir. On est bientôt à 4000, il manque 500 abonnés, les mecs. Allez, on les fait avant la fin de février, ces 500 abonnés, hein. S'il vous plaît, les mecs, go les 4000 abonnés avant la fin de février. Et pour mon anniversaire, je veux minimum 5000 abonnés, c'est le 11 juillet, donc je compte sur vous pour partager à fond, fond, fond. Donc, pour le mercato là, on m'a dit de recruter Joël Matip, on me l'a conseillé 2-3 fois, donc je pense qu'on va le prendre en doublure, il sera pas titulaire, mais il sera en doublure. On m'a dit de pas vendre Lucas Hernandez, donc je pense pas le vendre, en plus vu qu'il a son jumeau, c'est une raison de plus pour lui de rester au club. Il a son frère, il kiffe le club, donc pourquoi pas le garder. On va proposer 30 millions pour Matip, ils veulent 31 millions, let's go. On va leur donner hein, pour 1 million, on va pas chipoter. Donc c'est parti pour Joël Matip, par contre, comme je vous ai dit, il ne sera pas titulaire indiscutable. Ça sera une doublure comme vous me l'avez conseillé et comme c'est son rôle de base, hein, tout simplement. Un remplaçant de luxe, on va dire. 31 ans quand même, c'est un joueur expérimenté, donc ça peut faire que du bien. En plus, il baisse son salaire de ouf, donc let's go, Joël Matip à Munich. C'est parti, merci Joël Matip d'avoir accepté simplement le contrat en plus. C'est parfait, transfert accepté, Liverpool-Bayern Munich. Pour 31 millions, je pense que c'est une bonne affaire, hein, en vrai de vrai. On va voir, ils nous mettent quelle note, hein. C'est bon. C'est vrai qu'on aurait pu peut-être essayer pour moins cher, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, les mecs, Ndika, tout ça, on va pas prendre, Varane, on va pas prendre. On va pas prendre de deuxième défenseur central, je pense qu'on en a assez. On va juste aller voir ce qu'il nous faut comme doublure, etc. Parce que je m'en rappelle plus trop, ça fait longtemps les mecs. Hein. Ça fait longtemps quand même. Donc, gestion d'équipe. C'est vrai que Rashford, il y en a qui auraient préféré voir Son ou Kane. Désolé les mecs, mais bon. Rashford, là, il a fait un très très beau gros premier match, donc c'est parfait. Donc là, il y a Choupo-Moting, il y a Mathis Tel de toute façon. Ici, il y a Müller, donc ça va. À la place de Mané, on a Sulemana. À la place de Coman, on a Gnabry. On n'a pas besoin de 1000 doublures en vrai de vrai, parce que en Bundesliga, les matchs, ils sont assez espacés quand même. Benacer, Gravenberch, Hernandez. Il y a que Matip. Ouais, non, il y a Araujo aussi. Donc Araujo plus Matip en remplaçant, c'est vraiment des remplaçants de luxe, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Wiss Diem, c'est Mazraoui. À la place d'Hernandez, il y a Bernat, c'est vrai. Donc je pense qu'en vrai de vrai, on a une très très grosse équipe. Hein. Vraiment très très grosse équipe. Ouais, Matip, il va rester sur les réservistes. Hein. Il va rester ici, le petit Matip. Hop, hop, on va faire ça. Ouais, on va faire ça comme ça. Voilà, donc on va peut-être recruter un joueur. Vraiment fort. Et. Vraiment fort, je suis un ouf. En doublure, j'ai envie de dire. Pour doubler Coman et Gnabry, tout simplement. Et du coup, on va aller à accueil transfert. Vous m'en avez conseillé plein. Merci à tous. Hein. Vous avez des superbes idées, pardon. Et franchement, ça fait plaisir. Donc, je pense qu'en ailier gauche, lui, ça serait pas mal. Après, on n'en sait pas assez sur lui. Ouais, c'est ça le problème. Donc, je pense qu'on va plus se pencher sur quelqu'un d'autre. Tac, tac, tac. En ailier gauche, il y a qui ? Pedro Concalves, c'est fort quand même. Donnarumma aussi. Patrick Tchik, Rota. Ouais, non, c'est fort. Mudryk qui a signé à Chelsea. Il a signé à Chelsea, lui. Ça peut être pas mal pour sa carrière. En vrai, je crois qu'on va recruter personne, les mecs. Je crois. En tout cas, là, l'offre pour Lucas Hernandez, du coup, on va aller la refuser également. Hop, ce qui est fait, et pour le P... Non ! Oh, le con ! Voilà, FIFA, la play, elle est lente, voilà. Du coup, j'ai accepté sans faire exprès l'offre pour le PSG. On va bien voir s'il part ou pas. S'il part, on recrutera un jeune. On passera... Ouais, Hernandez vendu, purée. Bon, du coup, on va passer à Araujo titulaire, et on va recruter un jeune défenseur central, hein. Ah, j'ai la rage, parce que là, je voulais vraiment pas le vendre, Bellingham, vers le AC Milan.
Ah ouais, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Donc là, vendu, ouais, malheureusement. J'ai fait le bet, j'ai fait le bet, j'ai fait le bet. Donc, accueil, transfert. On va se projeter sur un jeune défenseur central. Par exemple, Njika, ça peut être pas mal. Lisandro Martinez aussi, ça peut être pas mal, hein. Ou le Normand, tout simplement. Non, Timber, c'est le mieux, je pense. Le jeu est récemment arrivé. Ah. Ouais, Timber, je pense que ça peut être le meilleur. Après, si on prend un au-dessus, ça va être compliqué. Déjà qu'il y a Matip et Aroro, ça va être compliqué. Donc, je pense qu'on va se pencher sur Timber tout simplement. Par contre, je sais pas du tout proposer combien. Je pense qu'on va proposer 20 millions ou 21. Je sais pas du tout. 24, allez. Ça se trouve, il vaut 50 millions. Et ouais, voilà, il a perdu son temps en venant ici. Donc, c'est très très bête de notre part. Je sais pas du tout. Qui prendre les mecs, je sais pas du tout. Là, ils m'ont mis dans le pétrin. Parce que on m'a dit de prendre Tomiyasu et après le passer défenseur central. Bah, on va essayer de faire ça tout simplement. Let's go. On va voir ce que ça donne. Hein. Je pense que ça peut être pas mal. Hein. Ça peut être vraiment pas mal. Maintenant, on va voir. On va voir ce que ça va donner. Pour 30 millions, ils ont dit on peut l'avoir. Mais bon, moi, je pense que pour 29 millions, on peut peut-être l'avoir. 36 millions. Je veux bien la clause de revente, hein, de toute façon, on va faire qu'une saison. Mais 31 millions, let's go, ils acceptent. C'est parfait, let's go. Donc, maintenant, on va négocier le contrat. Hop, 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 hop. Allez, les mecs, let's go, let's go, let's go. Du coup, tac, on passe, on passe, on passe. On va le mettre en rotation, bien évidemment. Tac, pour 3 ans, mais c'est parfait. Let's go, pas de clause, c'est parfait également. Est-ce qu'il va me proposer son salaire? 38 000, c'est tout. Let's go, let's go, let's go. Tomiyasu qui arrive. Il arrive au Bayern de Munich, les mecs. Let's go. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On continue. Après, on va le former donc en défenseur central. En plus, il peut jouer défenseur droit. Donc, en vrai de vrai, c'est parfait. Là, ils mettent Matip titulaire. Donc, je pense qu'en vrai, on va laisser Matip. Aroro, il va rester un peu sur le banc. C'est juste histoire qu'il s'intègre bien. Et que Matip, vu qu'il est déjà expérimenté. Hein, après, Aroro, c'est un très très bon joueur. Mais c'est juste le temps qu'il s'acclimate bien tout ça. Après, on le passera titulaire devant notre ami. Ah, Matip, du coup, je parle bien d'Aroro, si vous n'avez pas capté, parce que même moi je me suis un peu mélangé les pinceaux. Plan de développement, nous allons faire ça tout de suite. Donc là, c'est plutôt poste et en défenseur central. En plus, ça prend que 2 semaines, donc c'est parfait. Let's go! Ensuite, du coup, il faut qu'on continue notre ascension, les mecs, avec cette carrière. Avec le Bayern de Munich, sachant qu'on est premier avec 3 matchs, 3 victoires, 12 buts marqués, 2 buts pris seulement. Donc c'est plutôt pas mal. Faut qu'on continue. Faut qu'on continue. Tac. Si Bellingham il va au AC Milan, c'est un truc de ouf quand même. Hein. C'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. Après le AC Milan champion d'Italie, hein, il est parti là-bas pour 112 millions en plus. C'est affolant, José Gaia pour 38 millions à Manchester City. Incroyable. Allez, on continue d'avancer tranquillement, nous. C'est Bukayo Saka, il va à Leverkusen. Il va avoir une très très grosse équipe. Hein. D'ailleurs, c'était soit le Bayern, soit Leipzig, soit Dortmund. Vous avez choisi le Bayern. Après, pas tout le monde a choisi le Bayern, je sais. Mais bon, c'est les sondages. Hein. L'équipe qui remporte le plus, on la prend. Et là, c'était le Bayern de Munich, Thomas Partey, ouais, comme vous avez vu. Hop, du coup Bukayo Saka, je sais pas s'il est parti à Leverkusen, je pense pas. Smalling à Leipzig, ça peut être pas mal également. On va continuer d'avancer tranquillement pour notre prochain match à domicile, comme vous l'avez vu. Offre de transfert pour Gnabry, Leverkusen justement. C'est mort. Hop, Gnabry, 27 ans. Ah ouais, quand même, le temps il passe. Hein. Le temps il passe, les mecs, il passe, mine de rien. On se rend pas compte, mais le temps passe très très vite. Et donc, je vous ai même pas dit, il y aura quoi comme match dans cet épisode. Mais bon, je pense que vous l'avez deviné. Il y aura le match face à l'Union de Berlin, face au FC Barcelone et sûrement un troisième match, on verra. Donc là, on va jouer face à
Ah, l'Union Berlin, c'est parti. L'équipe, elle est en très très grande forme. Mais bon, c'est dans combien de temps qu'on joue contre le FC Barcelone? Tac, calendrier, c'est dans 3 jours. Ça va, il y a le temps de se reposer. Donc, on va partir bien évidemment avec cette équipe type qui est quand même magnifique. Hein, Mané Moussa, Rashford, Coman. Offensivement, c'est incroyable. Goretzka, Kanté, au milieu de terrain. C'est du plus que haut niveau. Hernandez, De Ligt, Matip, Reece James et Neuer. Défensivement, c'est lourd aussi. Donc, c'est parti à l'Allianz Arena face à l'Union de Berlin. Allez, Joël Matip. Première impression, hein. J'ai choisi toi plutôt que Araujo. T'as intérêt de me montrer pourquoi je t'ai pris toi, Matip. T'as intérêt de me montrer pourquoi je t'ai mis titulaire toi pour remplacer Lucas Hernandez à la place de Ronald Araujo. De toute façon, Araujo, je pense qu'il va rentrer dans le match, hein, quoi qu'il arrive. Donc là, on est parti pour ce match face à l'Union Berlin, les mecs. Bon match à vous. N'hésitez pas à liker si c'est pas déjà fait. À vous abonner si c'est pas déjà fait. Bien joué Rashford, c'est la bagarre là au milieu de terrain. Bien joué Goretzka, Moussa là. Hein. Techniquement, il est trop fort en plus ce jeune. Je dis ça comme si j'étais un ancien alors qu'on a le même âge. Bien joué, 1-0, but de Leon Goretzka. Je pense que en Bundesliga, on va écraser tout le monde. On va écraser tout le monde. Encore une passe décisive pour Moussa, un but pour Leon Goretzka. C'est magnifique, c'est son deuxième but en plus. Donc c'est parfait. 1-0 face à l'Union de Berlin en 7 minutes de jeu. Bien joué Manuel Neuer. Belle parade, sa première dans le match là. Et très très importante. Il était concentré bien évidemment. Let's go, let's go. Bien joué dans les bras de Neuer. N'Golo Kanté, la bonne accélération comme il sait le faire. Magnifique, juste pour passer devant le défenseur, c'est magnifique. Dommage Kingsley Coman, on va rester ensemble jusqu'à la mi-temps parce qu'il ne s'est pas passé grand chose dans ce match. Là, le pressing qu'on a mis en place, il est magnifique. Le centre de Kanté, oh là, c'est un peu trop en retrait par contre. La frappe de Mané contrée. Ça sera donc un corner pour notre part. Let's go, Kingsley Coman qui le frappe, De Ligt. Non, Sadio Mané, on va la remettre sur Coman. Let's go, le centre au deuxième pour Rashford, non. De Ligt, bien joué, Coman. Oh oui, magnifique. Oh, dommage, ça a été contré. Sinon, la passe en retrait, elle aurait été très très belle. On a un joueur blessé, je crois que c'est Rashford, purée. Ils m'ont blessé Rashford, on va leur blesser un joueur, hein. Oh non, c'est pas possible, ils m'ont pas blessé Rashford quand même. Non, oh, il magnifique l'intervention aussi de la part de notre ami De Ligt. Là, défensivement, c'était très bien joué de sa part. Donc si la Rashford, il est blessé. Non, il est plus blessé, ça va. Ça va, ça va, ça va, il est plus blessé. Donc on va les laisser encore un peu, on va laisser encore l'équipe s'exprimer. Puis arrivé vers la 60e, on commencera les changements petit à petit, notamment Mats Hummels qui fait un très très bon début de saison, qui mérite d'avoir du temps de jeu. Pourquoi pas Gnabry, Müller, Benasser, même Gravenberch, Araujo et Mazraoui. Tous les remplaçants méritent de rentrer. Mais bon, va falloir choisir, bien évidemment. Donc, on est parti tout simplement pour cette deuxième mi-temps. Face à l'Union de Berlin. Et là comment il tacle N'Golo Kanté. Il est fou quoi lui. C'est qui? C'est le 45 hein, c'est ça? La tête de l'homme il va voir. Regardez, regardez. Ah, il a de la chance. Il a de la chance qu'il a pas eu la balle là. Sinon j'allais le tacler d'une puissance avec N'Golo Kanté. Ah, il n'allait pas se relever je crois. Léon hein. Goretzka la frappe. Oh là 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 là. C'est cadeau pour vous les mecs. C'est cadeau. Retour des vestiaires. Pff, la frappe qui met Léon Goretzka. Incroyable. Encore une passe D pour Moussa là en plus. C'est incroyable, deuxième passe décisive pour lui dans ce match. La frappe, elle est incroyable. La puissance qu'il a mis. Oh là 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 là, et la précision aussi. Le gardien, il n'a rien pu faire. Troisième but pour Leon Goretzka cette saison. Ça va être le meilleur buteur du Bayern de Munich ou quoi? Incroyable. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Oh non, en plus il marque le 45 direct là. J'ai pas été concentré, j'ai pas été concentré. J'ai défendu n'importe comment les mecs. Ah là là, je suis battu. 2-1. Purée, on encaisse un but. Ce que je voulais pas, ce que je voulais pas. Purée, dommage. Eh hey, mais c'est. Ah, attendez, attendez, je vous ai laissé là. L'action, c'est un truc de ouf le tac qui refait là. Sans Moussa là. C'est impressionnant, Mané, pff, incroyable, le défenseur, il a rien compris là.
Il a rien pigé. Alors lui, oh là là, lui, on lui a fait sa fête. Hein. Oh, lui, on lui a fait sa fête au... Je sais pas combien, là, au 26, je crois. On lui a fait sa fête de malade. Et en plus, c'est Khedira qui a fauté comme ça sur Moussa, là. Il voulait carrément le blesser, là. Tiens, triplé de Leon Goretzka. Incroyable. Non, Goretzka, il est trop fort, lui, mec. Goretzka, il est on fire, là, dans ce match. Triplé pour un milieu central. C'est incroyable. Incroyable, incroyable. Merci, Leon Goretzka, en tout cas. C'est parfait. Et c'est Sadio Mané, du coup, qui a la passe décisive. Enfin, c'est lui qui a centré. Si je me trompe pas, ouais. Coman, Mané, tac, le centre, il est parfait. La tête de Leon Goretzka aussi. Je crois qu'il est meilleur buteur de Bundesliga, là. C'est impressionnant. Il a 4 buts en 4 matchs. C'est parfait, c'est parfait. Du coup, petit à petit, là, on va faire des changements aussi. D'ailleurs, je vais faire pause tout de suite. Et je pense qu'on va rester ensemble pour toute la fin du match, hein, toute la deuxième mi-temps. En gros, vous l'aurez, Mats Hummels, il va rentrer à la place de Rashford, qui fait pas un très très bon match. Goretzka triplé, je pense qu'il peut sortir tranquillement. On va faire entrer Bennacer. À la place de Matip, on va faire entrer Araujo tranquillement. Et en vrai, pour l'instant, c'est tout ce qu'on va faire. Hein. Mince, j'ai raté. Oh là là. Et il marque un doublé, mais purée. J'ai mal défendu, en même temps je me pose comme ça en plein milieu de l'action, je suis bête moi aussi, 3-2 face à l'Union de Berlin. On n'a pas le droit d'encaisser deux buts normalement, on n'a pas le droit, après c'est la Bundesliga, il y a beaucoup de buts, mais bon. Normalement on n'a pas le droit, il a 5 buts en 4 matchs lui. Purée, il est passé devant Leon Goretzka, j'ai trop la rage. Oh dommage, on n'a pas eu là. Bien joué Kanté. Allez à nous hein, wesh, il était dedans. Oh monsieur l'arbitre. Allez, toi tu passes pas mon gars, voilà, merci Théo Hernandez. Oh là là, mais lui, le défenseur droit là de Union Berlin, je sais pas c'est qui, mais comment il est nul. Incroyable tout ce qu'on lui fait. Avec Théo Hernandez, avec Mané. Le bug il prend des gestes par tout le monde. Il faut se méfier lui, il est chaud. Bien joué à Rojo l'intervention en tout cas. Magnifique. Sadio Mané. On va décaler sur Moussa là tranquille. Oh Moussa là, faut être plus rapide là dans ce genre de situation. Bien joué Hernandez, il est trop fort. Bien joué Bennacer pour Mané. Mané en appui avec Mats Hummels. Mats Hummels il lui a pas remis. Oh là là, Mats Hummels pour Moussa là. Wesh, il s'est passé quoi? Ah ouais, il m'a chippé la balle. Oh, Arrojo, mon gars. Mon gars. Bien joué, Kanté. Hernandez. Très bien joué. Très bien joué, ça aussi, de la part de Mats Hummels. Et là, c'est pour Sadio Mané. Non, c'est quoi cet enroulé, Sadio Mané? C'est quoi, ça? Ah non, c'est pas beau. Ah, c'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. C'est vraiment pas beau. Ah, Berk. Berk. On reste à 3-2. Du coup, ça serait bien de mettre un petit 4-2 là. C'est plus beau que 3-2. Là, on dirait on a galéré alors qu'en vrai, on les a dominés quand même. C'est juste on a mal défendu sur deux actions. Ils ont marqué. Sinon, ils ont pas eu tant d'actions que ça. Hein. Oh, dommage, Coman. Dommage. Bon, là, ça va siffler. Voilà. Victoire 3-2 face à l'Union de Berlin. Du coup, Leon Goretzka qui récupère son ballon du match, bien évidemment. Puisqu'il a gagné. Oui, je suis un ouf. Puisqu'il a mis un triplé. On a tiré que 5 fois. Hein. 5 fois, on a marqué 3 fois. Et c'est Leon Goretzka qui a marqué. C'est une dinguerie. Donc, ensuite, là, on passe en mode Ligue des Champions. Bien évidemment. C'est parti. Champions League. En plus, premier match. FC Barcelone. Direct d'entrée. Ça. C'est là le premier test de la saison. En plus, on enchaîne après avec Leverkusen. Donc c'est là, on va voir si on peut tenir la saison. Bundesliga plus Ligue des Champions. Parce que là, il y a quand même un très très gros match. Après, ça va, on est grave espacé au niveau des matchs. Parce qu'en Bundesliga, comme vous savez, il n'y a que 18 équipes dans le championnat. Donc ça fait quand même 4 rencontres en moins pour... comment ça s'appelle? Pour le championnat. Donc là, face au FC Barcelone, on va y aller tranquillement. C'est parti, Moussa là, il est fatigué, ouais, nos joueurs ils sont fatigués, purée. Koundé, Christensen, Bellerin, Kessié, ouais, c'est l'équipe type du Barça quoi. Dieu sait, y a pas Dembélé. Purée les mecs. Aïe, ça va être chaud. Là, je peux pas faire débuter Mats Hummels en Ligue des Champions direct. Donc on va laisser Rashford, donc on fera rentrer Mats Hummels à la mi-temps au pire.
On va mettre Müller à la place de Moussa là, parce que Moussa là, il est KO. À la place de Kanté, on va laisser Kanté, il est trop important, on le changera à la mi-temps au pire. Mané, il est en forme. Gnabry, il est un peu fatigué, on va faire jouer Gnabry. Et à la place de Wiss James, on va faire jouer Mazraoui comme il nous a demandé. Et on va faire jouer Araujo aussi face au Barça, puisqu'il connaît bien les attaquants du Barça. Et c'est parti pour ce match face au FC Barcelone. Allianz Arena, les mecs. On est à domicile. On est à domicile. Certes, c'est pas le vrai stade. Certes, c'est pas. Non. Mais c'est l'Allianz Arena. On est à domicile dans FIFA. Let's go pour ce premier match de Ligue des Champions. On espère l'en remporter avec le Bayern de Munich. Là, gros test en face au FC Barcelone. Les mecs, ça va être un match incroyable. Donc, on est parti pour ce match face au FC Barcelone de Rafinha, de Lewandowski justement, qui fait son retour à l'Allianz Arena, les mecs. Face à nous, on espère qu'il va pas marquer. En tout cas, il a l'air en forme là. Il a l'air en feu. Hein. Il a l'air en feu. Bien joué à Roro, il l'a bien empêché de progresser. Bien joué de Lirt, le tacle il est magnifique. Bellerin, tu passes pas mon gars. Il a cru qu'il allait passer Théo Hernandez. C'est Théo Hernandez qui te passe mon gars. Let's go. Par contre, la Pedri, il nous a très bien bloqué. J'ai envie de faire tous les matchs avec vous les mecs. Tous les matchs, on va le faire ensemble, je pense. Comme ça, vous avez un gros match de Ligue des Champions là, dans la vidéo, en entier, et pas juste les actions. Oh là là, c'est chaud. Ok, on s'en est bien sorti. Bien joué. Magnifique, on s'en est très bien sorti. Caissier, aïe. Bien joué, Mané, on va dire que c'est un grand pont. Let's go pour Mazraoui. Bien joué, Müller. Mazraoui, oh non, la prise de balle de Gnabry, oui, ça passe quand même. La passe pour Rashford, la tête, oui, cette parade de Ter Stegen, impressionnante, c'est un truc de ouf la parade qu'il vient de faire. On va faire tirer Thomas Müller, bien évidemment, pour Goretzka, la tête, oh, encore une parade de Ter Stegen, non. Il est trop fort Ter Stegen, là, c'est pas normal, Goretzka, oh là, Kanté, de lire, toi, non, c'est chaud un peu, là. On va re-écarter en bas. Gnabry au deuxième pour Goretzka justement. Caissier, il a remporté largement le duel. Allez, oh, on récupère pas derrière là. C'est pas normal. Pas normal. Allez. Ah oui les gars, dites-moi dans les commentaires si vous préférez qu'il y ait les commentateurs qui commentent ou pas. Je mets juste l'ambiance du match et ma voix. Moi je trouve avec les commentateurs ça fait un petit plus. Parce que je commande pas forcément tout le temps. Donc vous me dites, ok. Vous me dites, et puis on voit ce que vous voulez. Magnifique de Lirt. Ouh, il y a faute. Ah non, là je suis pas d'accord. Hein. Là je suis pas d'accord, monsieur l'arbitre. C'est quoi ce coup franc de malinois tel que le Vodeski vient de nous mettre? Wesh. Ah non, je suis pas d'accord. Je suis vraiment pas d'accord. C'est quoi ce coup franc de fou malade là? Wesh, Neuer, il a rien pu faire. En mode, il l'a touché, mais ça suffit pas. Contre son camp, carrément. Wouah, je suis choqué. Oh. Ah non, les mecs, non, on peut pas commencer comme ça. Hein. On peut pas. Mané, dommage que la passe elle passe pas pour Thomas Müller, ça aurait été magnifique. Non mais le Barça il joue un football trop beau là. Il joue un football carrément trop beau, bien joué Araujo, magnifique. Oh c'est quoi ça par contre derrière Araujo? Bien joué Kanté, magnifique. Allez Goretzka par dessus pour Sadio Mané, allez mon gars, allez. Oh il passe pas face à Christensen, c'est fou. Il est on fire Christensen ou quoi là? Allez Théo. Allez, il reste 5 petites minutes avant la mi-temps. Ça passe trop vite. Hein. Ça passe vraiment trop vite. Oh oui. Oh oui. Oh non, je fais n'importe quoi derrière. N'importe quoi. Purée, j'ai trop la rage. De Jong, tu vas aller nulle part, gros. Allez, N'Golo Kanté, le lâche pas, mon grand. Voilà. Au moins, il a contré sa passe. Elle a pas pu bien partir. Pouah, comment on a déchiré le Vodeski là. Mazraoui, attention. Hein. Attention, mon gars. Non, il va pas en mettre un deuxième. Et voilà. Petite passe. Par contre, c'est très bien joué de leur part. Hein. Très bien joué de la part du FC Barcelone. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Oula, pardon, les mecs. Et à mon avis, la deuxième mi-temps, il va falloir faire plein de changements. Parce que sinon, ça va pas le faire.
J'ai cru qu'il y avait main de nous. Heureusement que non. Donc c'est parti, let's go pour cette deuxième mi-temps face au FC Bayern de Munich. Donc là, on va faire entrer Matisse Tel, tac, à la place de N'Golo Kanté. On va faire entrer Bennacer, tac, tac, tac. On est parti pour cette deuxième mi-temps face au FC Barcelone, les mecs. Et du coup, on va rester ensemble, hein, on va faire tous les matchs ensemble. C'est parti, c'est parti. Oula. Voilà. Bien joué Théo, magnifique. Allez, déborde mon garçon. Faut une remontada là. Faut une remontada. Bien joué ça. Oh non, ça passe pas. Dommage là. Matisse Tel, je suis sûr en plus derrière, il aurait fait le bon geste. Il aurait eu la finition parfaite. Wesh, c'est Jordi Alba ou c'est. Wesh. Même la vitesse qu'il avait, on dirait que c'était pas lui. Hein. C'est truqué, c'est truqué. Ah ouais, non, le Barça, ça joue vraiment bien au foot quand même. Hein. Ça joue vraiment, vraiment bien au foot. Oh, c'est pas assez fort, dommage. Allez, les mecs, là, apportez-moi votre soutien, maximum de flammes, de gemmes, tout, tout, tout. Bien joué, Théo Hernandez. Allez, va, mon garçon, c'est lui le meilleur hein, sur la pelouse, là, dans ce match. C'est carrément lui. Bien joué. Müller. Oh là là, je sais pas quoi faire, ça bégaye. Bien joué. Müller. Oui, magnifique la finition de Thomas Müller. Il est pas mort ce joueur. Il est pas encore mort. C'est pas encore l'heure de sa retraite. Magnifique Thomas Müller. Magnifique. Un partout face au FC Barcelone du coup. C'est parfait, on le mérite ce but. On le mérite. Enfin, quand même. Ça fait plaisir. Ça fait grave plaisir. Attention. À Franck Kessier, premier match et premier but du coup pour Thomas Müller en Ligue des Champions. Je pense que lui, Thomas Müller, on le fera plus jouer en Ligue des Champions qu'en Bundesliga. C'est un homme avec une expérience de fou malade, un passé footballistique incroyable. Il a déjà remporté la Ligue des Champions, donc il va être très important dans notre équipe pour la Ligue des Champions. Matisse Tel, c'est parfait. La passe dans la profondeur aussi. Hey, il est trop fort, Matisse Tel, c'est fou. Mazraoui. Oh, c'est bien en retrait, ça. Ça, c'est pour Bennacer. On va mettre à Goretzka, Gnabry. Oh non! Pourquoi il a pas joué une touche, Müller? Allez, hop là, reste ici. C'est Loris Sané, en plus. Oh, dommage! La prise de balle, elle aurait été magnifique, là. On contrôle comme ça. Contrôle orienté. Wesh! Comment c'est possible? Heureusement que même une prise de balle, il accélère pas, hein. Oh, il a gâché l'action. Oh, comment. Oh, mais attention, faut pas leur redonner l'action. Hein. Oh non. Oh non. Bien joué, Meyer. Si on se prenait un but par le Roy Sané, ça aurait été incroyable. Ça aurait été incroyable. Heureusement pour nous qu'il n'y a pas but. Allez, let's go, let's go. Arrojo. Matisse Tel. Bien joué, mon garçon. Hernandez. Oh non, il est KO. Il est KO. Sinon, j'aurais accéléré avec lui, mais il est KO. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Allez. Oh. Les mecs, on va pas se prendre un but dans les dernières minutes face au FC Barcelone. Hein. C'est mort. C'est mort, on reste solide. Bien joué, Matip. Oh, la relance, par contre, Matip, mon garçon. 31 ans, tu dois faire mieux. Hein. Oh. Purée. Oh là là, merci. Emmanuel Neuer, franchement, match exceptionnel. Hein. Mis à part peut-être la première parade où il aurait pu faire mieux. Quand même un très très gros match de sa part. Et ça va se finir par un partout. Hein. On dirait bien. Et effectivement, ça se finit sur un partout, les mecs. Ici à l'Allianz Arena, c'est parfait. Enfin non, c'est pas parfait, mais bon. On a réussi à remonter, c'est pas mal. C'était un match très très serré, hein, digne de son nom. C'est magnifique. Donc les mecs, tout simplement, là, on va partir... Non, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je raconte? On va pas partir. On va avancer un petit peu jusqu'au match face au Bayer Leverkusen. Mais les gars, c'est la fin de cette vidéo. Il y aura eu que 2 matchs, désolé. Mais promis, prochaine vidéo avec le Bayern, il y aura 4 matchs, les mecs. Là, c'est parce qu'on a fini le mercato. Je vous ai mis un match en entier. Donc, prochain épisode, les mecs, il y aura face à Leverkusen, face à Wolfsburg, face au Victoria Plins, il me semble, et face à Cologne. Comme ça, on avancera bien dans cette carrière manager. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle carrière. Merci encore à tous du soutien. Et on se retrouve très très vite. Ciao.